Bonjour, dans cette petite vidéo de cours, on va expliquer donc la propriété qui dit que si y est une variable aléatoire qui s'écrit ax plus b, alors on a notamment que l'espérance de y est égale à a multiplié par l'espérance de x plus b. Alors pour cela, j'ai besoin de rappeler donc ce que vous avez peut-être vu dans une première vidéo. Ici, on a une roue qu'on tourne, on gagne 0 euros si le bleu sort, 2 euros si c'est le vert et 5 euros si c'est le rouge. Donc on a déjà dressé un tableau qui donne la loi de probabilité de la variable x, qui donne le gain algébrique. Pourquoi gain algébrique? Parce qu'en fait, la partie coûte 1 euro. Et donc, les gains possibles, c'est moins 1, plus 1 et 4. Et on avait trouvé donc ces probabilités-là. On avait aussi fait le calcul de l'espérance de x. Et on avait trouvé que l'espérance de x était égale à 0,375. La variance de x, par contre, était égale à environ 2,734. Et l'idée, c'est de voir qu'après, on peut, à l'aide d'une propriété, parler d'une variable aléatoire y qui serait construite à partir de la variable aléatoire x par une petite manipulation qui consisterait à multiplier donc la variable aléatoire x par un nombre a, qui est un réel, et on pourrait même ajouter un nombre b, qui est un autre réel. La propriété nous dit alors que l'espérance de y se calcule en faisant a multiplié par l'espérance de x plus le nombre b. On a un autre résultat sur la variance qui dit que tout simplement la variance de y, c'est a au carré multiplié par la variance de x. Ce qui donne dans mon exemple, si la partie coûte maintenant 4 euros au lieu d'1, eh ben on peut créer donc une variable aléatoire y qui s'écrirait tout simplement x moins 3. Alors pourquoi moins 3? Parce que tout simplement, au lieu de retirer 1 au gain de départ, et moi, je vais retirer 4. Donc, autrement dit, j'enlève 3 sur les gains qui sont moins 1, 1 et 4. Et du coup, on n'a plus besoin de tresser un tableau pour la loi de probabilité de la variable y. On peut utiliser les résultats qu'on avait déjà obtenus avant. Et ceci dans le but de calculer directement l'espérance de y. Alors, l'espérance de y, d'après la formule, ça correspond à l'espérance de x moins 3. Et ici, il faut voir qu'en fait, je suis en train d'utiliser la formule avec a qui vaut 1 et surtout b qui vaut moins 3. Et donc la formule me dit tout simplement que ça fait l'espérance de x moins le nombre 3. Autrement dit ici, 0,375 moins 3. On prend la calculatrice et on trouve un nombre négatif, moins 2,625. Alors en soi, ça peut être intéressant pour l'organisateur de la fête foraine, puisqu'en fait ici, il fait en sorte que par cette manipulation-là, l'espérance de gain pour le joueur maintenant est négative, mais peut-être un peu trop négative, dans le sens où ici, il va gagner en moyenne 2,62 euros sur chaque partie. Et donc c'est peut-être un peu trop parce que les gains ne vont pas être énormes, parce que ici, en fait, la manipulation fait en sorte que dans le tableau, au lieu d'avoir moins 1, ben, on a moins 4, au lieu d'avoir 1, ben, j'enlève 3, ben, ça fait moins 2, et en fait, je ne peux gagner que 1 euro. Cela risque de ne pas inciter les gens à venir jouer à cette roue. Donc on peut choisir peut-être une autre manipulation. Donc on va noter maintenant z, une variable aléatoire, qui va être construite à partir donc de x. On peut décider par exemple de faire 2x moins 1. Autrement dit ici, je vais multiplier donc tous les gains algébriques par 2 et je vais enlever 1. Donc ici par exemple, 2 fois moins 1, ça fait moins 2, moins 1, donc ça fait moins 3. Ici, 2 fois 1, ça fait 2, moins 1, ça fait 1. Et ici, 2 fois 4, 8, et 1, 7. Donc ça serait des gains algébriques qui seraient égaux à moins 3, 1 et 3. Donc on peut imaginer que c'est 3 euros par exemple la mise. On ne gagne rien bien sûr si c'est le bleu qui sort. Ici par contre, ben, au lieu d'avoir 2 euros de gain, eh ben, on aurait 4. Ce qui ferait bien un gain de algébrique de 1 euro. Et ici, au lieu d'avoir 5, on aurait 10. Mais comme on a payé 3 euros pour jouer, ben, il ne reste plus que 7. On va regarder ce que ça donne en termes d'espérance pour la variable aléatoire z qu'on a ainsi créée. Ben, l'espérance de z s'écrit espérance de 2x moins 1. Et en fait, la propriété nous dit quelque part qu'on peut sortir le nombre 2 qui multiplie x. Et donc écrire 2 fois l'espérance de x moins 1. Et donc ici, en prenant les résultats on a déjà obtenu, donc ça fait 2 multiplié par 0,375 moins 1. Et si vous prenez la calculatrice, même si ici c'est pas très compliqué, ben, on peut le faire de tête, ça fait ici 0,75 moins 1 et je trouve moins 0,25. Donc j'ai une espérance qui est là encore négative et qui est très proche de 0, donc il peut inciter peut-être les gens à jouer puisque
en moyenne, chaque joueur ne perdra que 25 centimes. Donc voilà comment on utilise donc cette propriété. Juste un exemple pour l'histoire de la variance. Donc je vais calculer donc la variance de z uniquement en me servant de la variance de x que je connais déjà. Et pour cela, donc le a que j'utilise, c'est le 2, puisque c'est la variance de la variable aléatoire qui s'écrit 2x moins 1. Donc la formule ici dit simplement qu'on va mettre le 2 devant, mais au carré, et on va multiplier par la variance de x. Autrement dit, ici, j'obtiens 4 fois la variance de x. Et 4 fois la variance de x, à l'aide de la calculatrice, on trouve environ 10,936. Donc voilà pour cette propriété. Il faut savoir qu'elle n'est pas si compliquée que ça à comprendre, puisqu'en fait, ces multiplications et cette addition sont assez logiques. Si je regarde dans le premier cas, en fait, j'ai enlevé 3 à toutes les valeurs que pouvait prendre x. C'est un peu normal, en fait, que l'espérance de la nouvelle variable aléatoire, je l'obtienne tout simplement en enlevant 3 à l'espérance de l'ancienne variable aléatoire. Donc, essayez de réfléchir un petit peu à ça. Vous allez voir que c'est assez évident, finalement, d'écrire que l'espérance de y, c'est rien d'autre que l'espérance de x moins 3, puisqu'encore une fois, j'ai enlevé 3 au départ sur chacune des valeurs que prenait la variable aléatoire x. Pour l'histoire du x2, ben le x2, c'est assez évident aussi, puisque vous allez multiplier par 2 chacune des valeurs. Et quand vous multipliez par 2 chacune des valeurs, c'est assez logique finalement que la moyenne, elle, ait été aussi multipliée par 2. Donc la combinaison des deux peut paraître un peu compliquée, mais pris séparément, ces deux opérations finalement ne sont pas si compliquées que ça. Et pour ce qui est de ce multiplicateur-là qui est a au carré, là aussi c'est un peu logique, dans la mesure où en fait la variance mesure les écarts, mais les écarts élevés au carré, rappelez-vous de la formule. Donc si vous multipliez par a finalement toutes les valeurs que prend la variable aléatoire x, ben les écarts, eux, vont être multipliés par a au carré. Donc c'est pour ça ici que quand j'avais 2 multiplié par x, la variance a été multipliée par 2 au carré par 4. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Vous allez voir qu'à travers les exercices, il n'est pas très compliqué d'utiliser cette formule-là. On est souvent guidé pour fabriquer une nouvelle variable aléatoire, construite donc à partir de la variable aléatoire ici, x.